shit. Here we go again. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, ici Foil, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end en ce week-end férié. Évidemment, férié qui dit férié dit on ne fait rien, bien sûr. Et on s'est bien fait niquer parce que jour férié tombe un dimanche. Voilà, hein, et le week-end prochain, on se fera niquer de la même manière parce que le dimanche sera également un jour férié. Décidément, on se fait niquer bien en beauté sur cette année 2022. C'est l'année de l'enfilade. Mais trêve d'enfilade, on n'est pas là pour se faire enfiler. On est plutôt là pour regarder des potentiels morts parce que ça fait quand même 2 voire 3 lives qu'on n'a pas eu de mort sur nos newslocks. Est-ce qu'on gère la fougère? Possible. Mais quand même, le karma a tendance à nous rappeler qu'il est là. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ce soir, le karma a décidé de se lâcher. Je sens qu'il s'est lâché. Là, je sens qu'il s'est lâché, mais alors bien comme il faut, qu'il est en mode... Ou alors ce soir, ça va être le grand soir. Le karma, c'est un petit peu ça. Ce soir, je me lâche. Ce soir, je vais éventrer l'anus. Ce soir, l'anus, il sera coma. S'il sera comme ça, je passerai même la tête dedans et je ferai « Coucou, c'est moi, je suis le karma !» Ah non, mais le karma, ce soir, a décidé de se lâcher, hein. Clairement. Je le sens bien comme il faut, mais ça va être justement à nous de faire en sorte de le contrer. Ce fameux karma, pour justement éviter qu'il passe la tête dans l'anus et qu'il fasse « Ah, coucou, c'est moi, ah, je suis le karma !» Donc voilà, on va essayer de faire en sorte de, parce que je le sens pas, on a 2 phases, 2 grosses phases. Le casino et la tour Pokémon. Donc là, ça va être pas mal, je vais pas dire que ça va être coton ou ardu, ça va être pas mal du tout, il va falloir gérer en sachant que les Pokémon de la Team Rocket, c'est en majorité des Pokémon de type normal poison. Giovanni, il a, me semble-t-il de souvenir, je crois qu'il a un Persian, ça c'est sûr. Je sais pas s'il y a un Tauros aussi, Tauros. Va falloir être très très prudent en tout cas. Il va falloir faire très, très, très attention. Allez, sans plus tarder, je vous propose de passer dans le vif du sujet. Let's go. Let's go, Pokémon! Évidemment qu'on continue. Et on s'était arrêté ici à Saladopol. Palalalala. Rappelez-vous, on a soigné notre équipe déjà. Alors le doute, malheureusement le doute, j'ai regardé la VO, monsieur le doute. Et malheureusement notre CS Slave, on va devoir s'en débarrasser. Parce qu'effectivement. C'était le Piafabec qu'on avait capturé, comme j'avais un doute. J'ai préféré le mettre dans la team pour justement en CS Slave, mais de pas m'en servir. Et effectivement, non, il va falloir relâcher le doute. Alors, le doute, où es-tu? On va te stocker, du coup. Puisqu'on n'a pas besoin de toi. On n'a plus besoin de toi, le doute. Le doute. Allez, adieu le doute. Le doute est relâché. Adieu le doute. On va garder tout ça. Qui on peut stocker? On va garder la commu. On va garder Crotisol, Jacques Mich, on va garder. Montagulandine, Albapto. On va garder la team là. On va garder la team. On va composer avec ça.
On va composer avec la team qu'on a. Nous soignons les Pokémon. Bah, allez-y, soignez mes Pokémon. Merci. Vos Pokémon ont la super pêche. À bientôt. On va garder le Evoli. Le Evoli, on ira le chercher plus tard. On ira le chercher après le casino. D'abord, j'ai envie de faire le casino. Ah, le casino est là-bas, c'est vrai. Allez, let's go, le casino. Ah, des jetons, voilà, mais comment dire, dégage. Quoi, ça, tu veux des jetons? Allez, donnez les jetons. Allez, donnez-moi les jetons. Jouez encore, gars. De très rares Pokémon sont échangés contre des jetons, mais c'est trop dur de gagner. Évidemment, des jetons par terre. Est-ce que je peux m'éclater? Petit, tu veux jouer? Oui, je veux jouer. Je veux des jetons. Écoute donc ça. On raconte que ce tripot est tenu par la Team Rocket. Allez, à bouler les jetons, là. La moula gratuite. Non, en panne, machine cassée. Ah, merde. Encore de la moula, il y a un bloc de moula. Ces machines ont des mécanismes différents, ça c'est sûr. Oh, allez, encore de la moula! Putain, c'est formidable. Allez, tout plein de moula. Merde. Désirez-vous du jeton? Non, bah non, j'en veux pas. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi elle s'est activée, cette conne? Moi, j'ai les assistants vocaux qui s'activent, tu sais pas pourquoi. Je surveille le poster, bouge de là. Ah! Pardonnez-moi, monsieur Rocket. Fais appel à Ratatak. On m'a envoyé la petite commu. Allez, la commu ultime à point. Du normal sur du normal. En plus, ce petit coup critique, c'est parfait. Allez, objectif aussi. Je veux mon Dracaufeu. Ah, je veux mon Dracaufeu, hein. Alors là, la commu, y a pas à tortiller du cul pour chier droit. La commu, tu vas évoluer, je te le dis. Ce soir, tu évolues. Ce soir, tu prends du galon. Gras. Notre cachette va être découverte. Je vais prévenir le chef. Oh, un bouton secret sur le poster. Allez hop. Non mais moi je cherche des jetons là, wesh. Allez, nous on veut des sous, on veut des jetons, 120 jetons. Ouais, 130. Yes. Allez, à nous la moula. Ça va servir strictement à rien, mais on s'en fout. C'est pour le prestige. Jouez, jouez encore. Oui, c'est très bien, monsieur. Mais on s'en fout. Nous on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est récupérer
des jetons. Ah là là, tout plein de moula. La moula foils. Allez, c'est bon. Ah ah! Tu as tout cassé nos plans. Excusez-moi les gars. Hein. Pas fait exprès. Pam 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 pam. Allez, un petit ultime à point. Oh, il envoie charge, il est mignon. Attaque, ouais. Ah bah oui, évidemment que la commu loupe son attaque. C'est pas drôle. Ouais, ouais. Non, mais voilà. Non, mais voilà, à un moment donné, faut que la commu elle loupe quelque chose. Ah, il y a petit flamèche pour le burn. Ouh. Va se calmer, Jano. Ah ouais. L'enfer. Et on va faire celui-là de dresseur aussi. T'es qui? Comment t'es entré ici? Ah, si tu savais. Je suis entré parce que j'ai défoncé le cul de ta mère. Noni. Voilà. Oh, soporifique. Allez, la commu. Ah, chef. Ah, ultime à point. C'est bizarre ça que normalement un petit combat c'est plus fort que... ouais, on va changer de poké, ouais. On va mettre... On va mettre Jacques Niche. On va mettre Jacques Niche. Let's go Budo. Bah nickel. Ah, je suis battu. Ouais, tu es battu. Ah là, il faut la carte magnétique. Carte qu'on n'a pas encore. Hein. Attention, j'arrive. Je me suis pris un Doc Elec dans le cul. Et bonsoir Doc, votre inventaire est plein. Non mais sérieux. Mais pourquoi? Ah, parce que j'ai ça. Wesh le Doc, wesh le Doc. Et wesh Ceci. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Oh, allez, encore de la moula! Mais il y a trop de moula! Trop de moula! C'est abusé! C'est abusé! Joyeux anniversaire, The Rock! Ah! Joyeux anniversaire, Dwayne, si tu nous regardes! Je sais que tu nous regardes, d'ailleurs, tu me l'as dit il y a 3 jours, tu m'as dit que tu kiffais d'ailleurs les Nuzlocke! Et voilà, ce live, c'est pour toi! C'est vrai, j'aurais dû le renommer, mais un peu la flemme! Un peu la flemme, je sais que tu comprendras un peu la flemme. Puis vas-y, c'est quoi, viens on se fight. On règle ça d'homme à homme. Et bon anniversaire Ceci, et oui. Ah là là, mais merci Doc, c'est vrai, merci Doc pour le rappeler, c'est vrai. Oh là là, Ceci est né le même jour que The Rock.
Elle est solide comme The Rock. Incroyable. Alors on va stocker nos pierres lune déjà. On va stocker on va stocker nos CT hein. J'ai encore 50 000 CT. Non, je veux pas stocker antidote. La CT 48, la CT 49. Alors, que désirez-vous stocker? C'était 21, voilà. Loulou. Est-ce qu'on a soigné nos petits poké? Je m'en rappelle plus. La poké flûte, ouais, on va chercher justement. On veut récupérer la poké flûte. Ah oui, on les avait déjà soignés, mais c'est pas grave. Ouais. Et on va faire un bon anniversaire à The Rock. Mais surtout un bon anniversaire, Ceci! Ah là là, et bon anniversaire, Ceci, bien sûr! Ah, double anniversaire, bien évidemment! Alors, est-ce qu'il va y avoir de la moula là par terre? Pas de moula! Déçu. Je me déçois. Il n'y a pas de moula. Ah, tout ça pour une corde sortie. Ça pourra nous être utile. Hein, quoi? Allô? Tu es ça, le monde? Allô? Oui? Oui, allô, c'est si? Oui? Bon anniversaire! Le chef dit qu'on peut voir les fantômes avec une scope sylph. Oui, parce que d'abord il faut la scope sylph et ensuite après on pourra aller à la tour. Ah, j'entends pas, il dit quoi le monsieur? Hein? Allô? Allô, Ceci? Je te disais bon anniversaire! Bon anniversaire, les petits indiens! Alors, on va lui faire un petit. Ah, une petite frappe Atlas, allez. Non, c'est très efficace. Bon, les flamèches pour le terminer. Et salut, Carapuce Blouf! Salut. Smogo. Ouais, on va changer de Pokémon. On va faire XP. Elbapto. Allez, Elbapto. Smogo. Allez, Crotte, c'est mort. Et bon anniversaire, Ceci. Aïe aïe aïe! Le message en avant! Le message dans le super chat! Aïe aïe aïe! Dog va se faire ban! Aïe aïe aïe! Est-ce que Dog va-t-il se faire ban par Ceci? Je ne comprends pas votre langage! Ah là 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 là! Est-ce que Dog va se faire ban? Est-ce qu'il va se faire. Est-ce qu'il va se faire strikehead par Ceci? Ah, mais. Ah, la charge a disparu! Oh, c'est ballot! Oh, c'est pas, je vais faire un gros de ses morts! Ah, tu écrases face, bien sûr, allez, vive attaque! Elbapto, c'est Monsieur Crit!
Elle banne 5 minutes. Non, Doc, non. Mais non, non. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh non, Doc, pourquoi? Pourquoi? Mais Doc. Doc, pourquoi? 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 Pourquoi ça? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi veux-tu être banni 5 minutes? Mais tu pourras plus parler pendant 5 minutes! Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait que 5 minutes? Sans voir de tes messages dans le chat! Pas ça, Zinedine! Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Je suis désolé. On va le monnaie raid. On a banni Doc. On a banni Doc. Oh, je l'ai banni, merde. Merde, je voulais mettre 5 minutes. Oh, putain. Attends, Doc. Doc, il fait le fifou. Je suis désolé, putain. Ah, levez le bannissement, merci. C'est honteux. Non, mais il a débloqué le ban 5 minutes. Aïe, aïe, aïe. Doc, putain, pourquoi tu fais ça? Putain, pourquoi t'as débloqué cette récompense? Attends, merde, comment on fait? Ah! Oui, Doc est de retour. Doc est là. Doc est là, Doc est à nouveau là. Ah mais j'avais pas vu la gradation. T'as qu'à faire des vues de points de chaîne aussi. Bah oui, mais il faut que je mette le runboard aussi. J'avoue, mais oui, un Phasmo solo. Oh putain. Mais à la base, ce truc, c'était pour une personne en particulier, pour voir si cette personne allait tomber dans le panneau, et pas du tout. Je suis un peu déçu. Aïe, 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 Elbapto qui est confus, on va tenter. Oui, Elbapto qui fait le croc de mort. Incroyable. Ratatake, mais non, on ne switch pas, nous. On ne switch pas, on laisse Elbapto même s'il est fou. En même temps, c'est. Ça correspond à la personne. Oups. Noni. La petite balle perdue, pardon. Le petit tac là. Ah. Petit tac là glissé, petite balle perdue là. Mais il monte au niveau 25. Il monte au niveau 25. Stop, je me rends. Ah. Oui. Hop. On n'a pas la possibilité d'accélérer. Comment faire pour accélérer le jeu? GBG. Non, parce que là, ça va être long, hein. Ça va être long du cul. Labyrinthe. Labyrintho. Oh, une pierre lune! Ça en va juste la troisième. Hein. Voilà, c'était 7.
je me rappelle plus. Le labyrinthe, je me rappelle plus. Pardon. C'est là, je crois. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est bon, on est bon, on est bon. Et là, il te faut un objet que tu n'as pas. Et là, je vais avoir le seum. Ouais, donc là, c'est la clé ascenseur, un truc comme ça. Ah non, c'est la carte. La carte man. Tiens, pourquoi t'es là? Bah, je sais pas. Je sais pas, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Alors, ratata. Allez, la commu. Allez, prends un petit peu d'XP, la commu. Ça fait plaisir. C'est cadeau, c'est pour moi. Ratatac. Ouais. Ouais, on va changer. On va mettre El Bapto. On va passer sur El Bapto. Attaque, on ne switch pas. Après, si jamais vous avez des idées en défi de chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à me donner des idées de défi de chaîne, parce que là, vraiment, je sais pas trop quoi faire en défi de chaîne. Ah, vraiment, je suis un petit peu perdu. J'ai pas vraiment d'idée pour les défis de chaîne, en sachant que vous avez, je pense, toutes et tous une myriade de points de chaîne à Halas. Je sais pas du tout ce que je pourrais mettre. Comme ça vous débarrasse un peu. Mais c'est vrai qu'il faut que je mette aussi l'Uran Board 20k ici. Intrus, alerte, alerte! Ah! Oh oh, alerte au Gogol! Tout le monde! 24 points de chaîne. Bon, c'est bien, au moins je sais qu'il faut pas que je mette des défis à 20k, parce que 20k, avec Dark Jembe, c'est mort. Du coup, j'ai pas été 25 minutes en rembourse. Ah bah du coup, j'ai été remboursé, ouais. Après, si tu veux, je peux remettre le ban à 5 minutes, hein. Je peux remettre le ban et 5 minutes. Moi, je le mets à 4 minutes, non 5 minutes, allez hop là. Voilà, c'est... Voilà, comme ça évite de te rembourser parce que tu en as déjà assez. Parce que tu as assez de points de chaîne comme ça. Oh tranche, ouais, je veux bien. Vu une attaque pour tranche, oui. Mais quelle attaque, ça par contre, laquelle je dirais frénésie, parce que frénésie c'est un peu la merde. Ah, après, tu sais, il suffisait juste de demander. Hein. Aïe aïe aïe, Doc Elec qui se fait ban. qui on pourrait envoyer pour de l'XP? Non, on va garder la commu. On va garder la commu. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire évoluer. J'aimerais qu'il évolue en Dracofeu. Mais c'est abusé. Par contre, c'est abusé. Je sais pas comment. Le taux de critique est calculé, mais c'est complètement insane. Entre la commu et El Bapto, c'est juste insane. Le taux de crit est juste abominable.
quand même piquer ma point. Oh, allez, la commu qui loupe. Mais ça fait deux fois. Putain. Oh là là, bon ultime à point, s'il te plaît. Je veux bien que tu loupes une fois, mais quand même deux fois d'affilée. C'est un peu abusé, là. Trop de mort et un taux de crit augmenté. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Je m'en doutais, je me doutais un petit peu. Je me dis quand même, c'est bizarre, c'est vraiment sur Croc de Mort, c'est juste insane. Une fois sur trois, on a une coup crit avec Croc de Mort. Cop Sylph, c'est quoi donc? Oh, c'est ta mère! Ok, ok, je parle. Prends donc l'ascenseur et tu verras mon chef. Ah oui, mais il faut la carte. Comme tranche, oh. Ah voilà, il faut la clé. Mais ouais, mais la clé, je l'ai pas. Ah, j'avais pas eu ça. J'avais pas vu. Quel mongol, mongol Fouals. On nous a prévenu de ton arrivée. Aïe aïe aïe. Mongol Fouals. C'est le meilleur endroit du jeu, ce sous-sol. Ah, mais clairement. Mais j'avais oublié cet escalier. Comme un con, j'avais oublié. Allez hop là. Le petit crit là. Pouah, le crit. Olé. Incroyable, la commu. Non. Je veux mon drac au feu. Je veux mon drac au feu. Le casse-couille, je veux mon drac au feu. Oh, le double crit! Le siège Sylphsarf, là, c'est une plaie. Ah non, mais oui, avec les téléporteurs, là, pas, là c'est chiant. C'est super chiant. Quoi? J'ai perdu? Non! Bah si. Ah, et là, c'était 10. Vous permettez, on va aller faire un petit tour au centre Pokémon. Déjà, on va déposer les objets, la pierre lune, la CT. Ça va nous... Au passage, on récupère s'il y a de la moula. Allez, on soigne déjà, dans un premier temps, les Poké. Est-ce que Doc est toujours banni? Doc, est-ce que ça fait 5 minutes? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es à nouveau parmi nous dans le chat? Est-ce que tu es là, mon bon Doc? Ou est-ce que tu es toujours ban? 20 secondes. Ah. Voilà, ben là c'est pas du scam. Je te vois venir, petit coquin. Ah, c'est du scam, le ban des 5 minutes. Je me suis fait scammer mes points de chaîne. Voilà, non, c'est pas du scam. Voilà. Re. Ah. Enfin. Tu t'es pas fait scam. C'est vraiment une... Mais je sais pas... Je l'avais mis pour rigoler, mais putain, mais je sais pas pourquoi je le laisse. C'est vraiment dégueulasse. Enfin, je trouve ça dégueulasse, quoi. Statut génie ou VIP donne des avantages ou c'est purement cosmétique? Alors, génie, c'est purement cosmétique.
C'était pareil, en fait, c'était dans la veine des du troll. Et VIP, en fait, le statut VIP, ça te permet en fait d'avoir, on va dire, un petit peu c'est un petit peu comme un sub. Mais en fait, l'avantage VIP, c'est que tu tapes pas les pubs, en fait. Juste, tu tapes pas les pubs. Comme un sub, tu tapes pas les pubs. Mais c'est tout ce qu'il y a, on va dire, comme avantage au niveau du VIP. Donc ça apporte un petit plus, ouais. Ça apporte un petit plus si tu tapes pas les pubs en début de live. Mais sinon, ouais, génie, c'est purement cosmétique. C'est pour voir s'il y en a qui allaient tomber dans le panneau. Si le viewer préféré de Ceci allait tomber dans le panneau et au final, ben non. Donc du coup, j'ai créé, donc une fois VIP, je peux me désub. Ouais, en gros, ouais. Ah merde. Ah merde. Ah putain, je suis perdu. Je suis perdu. Bah c'est un petit peu ça. En fait, tu auras pas les émotes de sub. Mais en fait, tu tapes pas les pubs. Le gros avantage avec les VIP, c'est que tu tapes pas les pubs. Mais après, je sais pas si les VIP, par contre, si jamais... ça, je le mettrai. Wesh la sève ! Wesh la sève ! Wesh la sève ! Wesh ! Wesh, wesh, wesh la sève ! Wesh ! Wesh, wesh la sève ! Wesh ! Wesh la sève et bonsoir Dante, merci pour ton raid. Donc ouais, donc je sais pas si par contre, si jamais on provoque la publicité, les subs, eux par contre, ne l'auront pas, mais les VIP, je sais pas s'ils auront la pub par contre. Je sais par contre qu'en début de live, tu n'as pas la pub en tant que VIP. Après, il y a un joli badge aussi. Il y a un joli badge qui s'affiche, mais ouais, c'est aussi un petit peu cosmétique. Mais par contre, devenir un génie, c'est purement Osef Joseph. Ça t'apporte juste un statut spécial sur le Discord qui n'apporte rien. Je le dis cash, ça n'a rien. C'était juste le piège, le petit piège pour piéger. Mais malheureusement, notre bon génie n'est pas sorti de la lampe. On a beau frotter, hein. Ça ne veut pas sortir. Ouais, c'est dommage. Ratatac, non, on va continuer. Moi, je veux de l'XP pour la commu. Je veux le drac au feu. Je veux mon bon drac au feu. Comment s'est passé ton live, Dante? Comment s'est passé ton live? Tu étais sur quel jeu? Tu étais sur... tu étais sur Okami encore ou... Non, tu as terminé Okami. Evil Within 2. Oh putain, merde! Ah, j'ai raté ça. Okami finir. Ah ouais, parce que c'est bien ce qui me semblait que tu l'avais terminé ça Okami. Mais merde putain, Evil Within 2, merde. Ah, fais chier. Je voulais voir un peu. Merde. Bon bah merde, tant pis hein, c'est bon bah. Oh merde. Oh, c'est con ça. T'auras les rediffs, exactement, il y aura les rediffs, donc ça va. Merde. Ah bon, c'est pas grave, je regarderai la rediff. C'était quoi? C'était on peut le... dire que tu sais manier la Batman. Ah, la Batman. Ah, la Batman, Batifrice. Tu vas te renommer, tu vas t'appeler Batifrice. Bon, après, il y aura plus le jeu de mots extraordinaire. Dante Ifris, mais Bat Ifris. L'ascenseur ne marche pas. Il faut la clé ascenseur. Bah oui, il faut la clé ascenseur. Mais justement, moi, je veux la clé ascenseur. Quand même. Ah là 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 là. Un petit smogo. Bon, pareil, on ne change pas une équipe qui gagne. La commu, je vais manger peut-être
Pour être prêt pour ce soir, stream sur Layers of Fear 2. Oh, ouais, c'est bon ça. Vous qui venez du raid de Dentifrice, là vous avez votre pause Pokémon et puis, nous et puis je vous renverrai ce soir, je pense, très fortement à 99,99% chez Dante pour du Liars of Fear 2. Et n'hésitez pas à balancer vos plus beaux screamers sur son live. Point de chaîne, vous cumulez. Et là, faut halas. Faut lui faire peur. Là. Faut qu'il se fasse caca dessus. Hein. Là, objectif, c'est qu'il se fasse caca dessus. Hein. Là, il va bien manger épicé. Là, il va bien manger indien là ce soir. Là, ça va être geyser. Mais là, faut qu'il salisse le calbar. Hein. Faut qu'il salisse le calbut ce soir. Hein. Là, je compte sur vous. Hein. Là, on va lui envoyer toute notre force. Toute la force dans le slip. Aïe, vampirisme. Vampirisme. Un point. Ouais. Yay. Allez, tiens, prends une tranche dans ta gueule. Ouais. Une tranche de jambon madrange. Voilà, moi je veux mon drac au feu. Argle. Oh, mais il monte au niveau 35. Je veux mon drac au feu. Et la classe ascenseur, elle est où? On en vient de là. Ah non. Ah si. Et là, ça fait quoi? Pour nous faire monter là. Toi, c'est fait. Ah. Allez, continue. Mais il te faut la clé ascenseur pour l'ascenseur. Ou alors il faut parler à un dresseur, peut-être. Cherche les pots de fleurs. Ah. On va chercher les pots de fleurs. On va retourner dans la salle précédente. Mais je me rappelais plus que c'était aussi tarabiscoté que ça. Hein. Le bidule que le chef a volé, ouais, il est là, quelque part. Ouais. Alors, les pots de fleurs... Mince, j'ai perdu la cléasse. C'est ça, putain, il fallait parler. Oh mince, j'ai perdu la clé ascenseur. Hop, je te la mets là. Elle est là. Hop là, comme ça. La clé ascenseur. Elle est là. Zut, attends, je la refais. Zut alors, j'ai perdu la clé ascenseur. Je ne sais pas où elle est. Ok. Voilà. Hein. Bon, allez, on va soigner notre team. Thank you.
Aïe aïe aïe, la chorégraphie. Magnifique chorégraphie qui vous est offerte, gracieusement offerte. Par votre humble chevelu. Bienvenue dans notre centre Pokémon. Nous soignons les Pokémon, non sérieux? Un genre, ce n'est pas ici pour jouer au casino. Soignez les Pokémon. Ils ont la super pêche. À bientôt. Je préférais la banane. Allez, là c'était 2. Super moment, j'ai envie de lui donner à la commu. J'ai envie de lui donner à la commu, comme ça on le fait évoluer. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire un sondage dans le chat. Allez, let's go. Vous avez une minute pour voter. Allez, nous avons un sondage. Doit-on utiliser, dois-je donner le super bonbon à la commu? Vous avez une minute. Pour l'instant, on est à 100% de non. Pour l'instant, c'est un non catégorique. C'est un niette. 9, 9, 9. Ah. Ah merde. Allez-y, votez, votez, votez. Bon bah vous voulez pas qu'on donne le super bonbon à la commu? Bon bah on le donnera pas. Bon c'est le nom. C'est un nom catégorique. Eh bah tant pis. Tant pis. Tant pis, bon bah voilà, on aura essayé hein. On aura essayé, vous avez pas voulu. C'est pas grave, on le fera du coup de manière. Il y avait 5 secondes pour voter ou bien? Ah, il y avait une minute. Il y avait une minute, comme c'était un petit sondage à l'arrache. Pas eu le temps, c'est si go faire un sondage plus long. Attends, je vais le refaire. Alors, dois-je donner le. Allez, on va mettre plus long. Tac, oui. Allez, je vous mets un sondage de 3 minutes. Vous avez 3 minutes pour voter. Tu vas pouvoir bien t'entraîner à l'arène. Mais c'est fait, on l'a fini. On a fait l'arène. On a fait l'arène déjà. L'arène de Céladopole, on l'a faite.
ça le problème. C'est qu'on l'a déjà faite. Voilà, vous avez 3 minutes pour voter. Et pour l'instant, c'est serré, hein, c'est au coude à coude entre oui et Obi-Wan Kenobi. Aïe aïe aïe, oh, Obi-Wan Kenobi repasse à 50%. Aïe aïe aïe. C'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Oh là là, c'est hard. Là c'est hard, là c'est hard. Là c'est plus le nom catégorique. Là c'est compliqué. Hein. Là c'est très très compliqué. Allez, pour celles et ceux qui n'ont pas voté, allez-y, vous avez le sondage qui est à votre disposition. N'hésitez pas à voter pour savoir si oui ou non on donne le super bonbon à la commu. Et pour l'instant, c'est Obi-Wan Kenobi qui l'emporte. C'est chaud, hein. C'est chaud patate. Ah merde, j'ai pas vu ce que je faisais. Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon. Petit rat, tu es perdu? Ah ouais, je suis perdu. Oh là là, Obi-Wan Kenobi qui repasse en tête à 57%. Obi-Wan qui gagne, tu joues à pile ou face? Bah en fait Obi-Wan Kenobi c'est un peu le Kamulox quoi, c'est... Voilà, c'est... Ça va être non en fait. L'Obi-Wan Kenobi, ça va être le nom. Quoi qu'on va faire un pile ou face. Tiens raison, on va faire un pile ou face. On va faire un petit pile ou face. Obi c'est le scam. Non, on va faire un pile ou face, hein. Le Obi-Wan Kenobi, ce sera le pile ou face, ça a raison. Bonne idée, très très bonne idée. On laissera vraiment l'aléatoire décider. Mais du coup, on va refaire un sondage pour savoir pile ou face. Aïe aïe aïe. On va laisser faire, on laissera faire l'aléatoire. On laissera décider l'aléa. Oh, les petites tranches là. Tranches dans la gueule. Et voilà, petit crit. Et c'est Obi-Wan Kenobi qui remporte avec 57% des voix. Incroyable. Obi-Wan Kenobi. Allez hop là, on termine le sondage. Et voilà. Donc du coup, on va laisser décider l'aléatoire. On finit le combat. Et on va faire l'aléatoire. Hein ? Quoi ? Oups ! Ce combat a ouvert la porte ! Oups ! Oh là là ! Ce combat a ouvert la porte ! Aïe 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 ! Alors, pile ou face? Voilà, alors que décidons? Que décidons-nous? Voilà, on est sur du pile ou face. L'heure est grave. L'heure est grave, mes amis. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. Je vais mettre la musique qui va bien. Nous allons, du coup, nous en remettre au sort du destin. Savoir... Si, oui ou non, nous allons utiliser le super bonbon sur la commu.
Pour ce faire, vous avez choisi Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi qui correspond au pile ou face. Que choisissez-vous ? Est-ce que pile ce sera oui, face ce sera non ? Faisons l'inverse. On va dire face c'est non. Et pile ce sera oui. Est-ce que vous êtes prêt à tirer la pièce ? Et c'était le oui qui remporte ! Et c'est le oui qui remporte ! Incroyable ! On peut applaudir le oui. Bravo, le pile ou face. Incroyable. Quel suspense. Mon Dieu, quel suspense. Est-ce que tu vas voir un film Doctor Strange au ciné cette semaine? Oui, tout à fait, Carapuce. Tout ça pour ça. Mais c'est du suspense. C'est du suspense. C'était du suspense, Carapuce. C'était du suspense, un entretien du suspense. Donc oui, tout à fait, j'irai le voir. C'est pour ça que j'ai pas prévu de live mercredi, parce que j'ai envie d'aller le voir à la sortie. Il me hype bien de fou, quoi. On va regarder, attention, on va regarder, parce que attention, je vais me faire traiter de scammer si jamais je ne l'utilise pas. Donc prochain niveau... 17-17, hein, est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'on l'utilise ou pas, le super bonbon? Moi, je serais pour le garder. Hein. Casse-couille, tout ça pour ça. je serais pour le garder. Hein. Tu as jeté la pièce. Oui, c'est vrai. C'est bon, on a jeté la pièce, hein, on va le faire, ce serait pas cool. Tu as jeté la pièce, tu le fais, pardon, pardon, je le fais. Quoi? Mais il évolue pas! Mais il évolue à quel niveau ce con? Ah mais en plus je suis trompé d'étage! Tout ça pour ça! Mais c'est du scam! Et j'ai pas vu où j'ai appuyé! Il évolue niveau 36! Ah! Mais! Comme tous les startups, je me rappelais plus! Je me rappelais plus! Je m'en souvenais plus! Je m'en souvenais plus! Là, est-ce qu'il y a un objet par là? Oui, il y a un objet. Ouais, un fer! Ouais, du fer! Oh là 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 là, mais quel mongol! Je te reconnais, tu as ruiné nos plans sur le mont Sélénite. Il y a peu starters qui n'évoluent pas à ce niveau. Putain, mais je me rappelais plus. Tu sais que j'ai complètement zappé. Non mais c'est surtout que sur le prochain Nuzlocke, je ferai exactement la même. Je ferai exactement la même pour moi, ce sera... Oh putain, c'est... À ce niveau-là, c'est honteux, pourquoi il évolue pas? C'est de la merde. Allez, on va jouer un petit peu comme il faut. Allez, on va envoyer Jacques Mich. D'accord. Appelez Abo. Il est abominable. Oui, on va changer. On va remettre la commu. Je me sens honteux. Je me sens complètement honteux là. Aïe aïe aïe, la honte. Je vais te laisser à la prochaine. Yes, merci Carapuce Blue d'être passé. À la prochaine.
Oui, on va changer de Pokémon. On va mettre dans ta gueule Ondine. Ouais, histoire d'avoir un petit peu d'XP. Un petit Fouillane. Ah ouais, ouais. Les attaques comme si griffe tranche tout ça, ça y va en termes de crit. Ah, et dans ta gueule Ondine qui monte au niveau 27. Parfait. Enfer et encore enfer et damnation. Tu ne trouves pas que nos plans maléfiques sont super cool? Bah si. Si, mais vous m'avez pas, vous me laissez pas le choix. Moi, j'aurais choisi de rejoindre la Team Rocket. C'était plutôt cool. Mais vous me laissez pas le choix. Je suis obligé de vous poutrer. Je suis obligé de vous latter la gueule. Et mon Pokémon ne se rate. Oh. Oh, c'est un petit peu de sel, un tout petit. Un tout petit peu. Mais j'ai honte, putain, je pensais que ça allait passer. Oh. Allez, on va garder la commu. On va trancher. On va trancher dans le lard. Ouais, petite frappe Atlas là. Arbok. Allez, une franche. La flamme a acheté un peu de chance sur le burn. Ah, oups, la porte est ouverte. On va utiliser une petite super potion. Ouais, histoire de. Hey Giovanni, tu me surprends, t'es dans le genre pénible. Giovanni veut se battre. Et fait appel à Onyx. Onyx. T'es tellement pénible toi que je vais envoyer dans ta gueule Ondine. Easy. Et oui, c'est très efficace. Non, on change pas. Oh la gueule! Oh le sprite de Rhinocorn! Franchement, ça vaut tous les sprites du monde, quoi. Ça vaut tous les sprites du monde, il est magnifique. Il est magnifique. Ah, Kangourex. Oui, on va changer de Pokémon, on va mettre la commu. C'est vrai qu'il avait un Kangourex. Oh, même le sprite de Kangourex, il est extraordinaire. Allez, on va tenter la tranche pour le crit. Allez, bon petit coup critique là, frénésie. Allez, la frappe Atlas. Let's go. Je crois qu'il est normal ton Wax. Pas un combat. Je crois pas. Ah putain, la commu! Si tu loupes ton attaque, ça va pas le faire!
Et voilà, avec les 1000 points d'XP, toujours pas... Quoi ? Damnation ! Bah ouais. Tu élèves tes Pokémon trop soigneusement. Un gosse comme toi ne peut comprendre mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. On se retrouvera, et cette fois... Ah ! J'ai lâché une merde, j'ai lâché une bonne crotte. J'ai lâché une belle petite crotte. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter ça ? On va jeter le TV plus, hein, ouais. Ah, parce qu'il nous la faut la scope passif. Hein. Quel étage ? Bah, premier sous-sol. Pam 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 pam. Alors let's go, on va déjà dans un premier temps voilà, soigner nos Pokémon, bien évidemment. On n'a plus besoin de la clé ascenseur. Je crois pas. On va la stocker. Quoique, on va la garder, parce qu'on sait jamais. Je sais qu'on n'en aura pas besoin dans la tour Pokémon. Mais déjà, on va libérer de la place, parce que je vais vendre la pépite. Déjà, je vais vendre la pépite, comme ça au moins ce sera fait. Vendre, oui, que désires-tu vendre? Bah, la pépite. Déjà ça. Et aussi on va donner l'eau fraîche aux gardes de Safrania. Comme ça au moins on est débarrassé. Alors, la bicyclette. La bicyclette. Et du coup j'ai bien fait de garder nos bons dresseurs. Ah oui, c'est vrai que cette zone on l'a pas faite. Ah bah là Safrania. Que j'ai soif, c'est dingue. Hein? Tu me donnes à boire. Dingue! Merci, petit! Gloup, gloup. Glourp. Tu vas aller à Safrania. Gloup. Tu peux passer. T'inquiète pas pour les autres. Bon, ça va, je suis pas inquiet. Hein. Ah, je suis pas inquiet pour les autres. Hein. C'est... YOLO. Oui, on avait le croupier, le fameux. El famoso pour le bug du croupier. Et voilà, on avait gardé les dresseurs exprès. Bonjour! Je sais, on a l'air idiot debout. Bah ouais, vous avez l'air complètement idiot. Ça te fait beaucoup de Pokéboules. D'accord, je vais la jouer comme ça. D'accord, ouais. La connue qui monte au niveau 36. Yes. Bra, 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 bra. Voilà. Le drac au feu. Le drac au feu est là. Voilà. Va-t-il changer de Pokémon? Oui, je vais changer de Pokémon, c'est bon. On a assez
On a assez donné avec lui, maintenant on va faire up El Bapto. Let's go El Bapto. Allez, un petit croûte, c'est mort. Dor en femelle. Non, c'est mâle, pardon. Dor en mâle, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est de l'XP. Donc on s'en bat le tech. Miaous. Hello. El Bapto s'en charge. Un petit crit par-ci, un petit crit par-là. Lève la queue et puis s'en va. Voilà. Comme ça, au moins, on va dire, on va rééquilibrer un petit peu les niveaux de la team. Par contre, ah oui, je vais me faire un plaisir de sortir notre crotisol. Ma crotisol, c'est pour toi, c'est le boulevard. C'est Hollywood Boulevard pour toi, c'est comme ça. Ah, c'est... Hop là. Pas d'effet sur crotisol. Ah, ah ben voilà. ...333 points d'XP et attention... Ah ben, c'est malin ça. Eh, la commu évolue. La commu évolue. Incroyable. Génial. La commu qui évolue en drac au feu. Magnifique. Miaou, c'est si mignon. Miaou. Oh, miaou, miaou. Miaou, miaou. Elle fasse pelle à son petit miaou. Ah ouais, mais nous, on a un drac au feu. On a un drac au feu, ouais. Bon, maintenant, on valide avec El Bapto. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est El Bapto. El Bapto et XP. On va garder notre bon vieux El Bapto. Le bon El Bapto des familles. Ah non, mais en fait elle est full miaouss en fait. Moi en soi ça me dérange pas hein, mais c'est juste que voilà, en fait elle se fait rouler dessus. Miaou. C'est juste que voilà, moi ça me dérange pas, mais bon en fait tu te fais rouler dessus quoi. Ah, la commu qui est au niveau 36 quoi, c'est abusé. L'école c'est cool, les Pokémon c'est mieux. Ouais c'est pas faux. C'est ce que j'ai toujours dit. Je disais toujours à l'école. Intello qui fait appel à Smogo. Et nous on fait appel à El Bapto. Et El Bapto qui va faire, qui envoie son bon croc de mort. Oh la purée de poids. Alors on est kiff-kiff au niveau des niveaux là, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour lui. Allez, vive attaque, comme ça on a la priorité. Ah, nickel. Super nickel. Bah, l'école, c'est plus facile. Moi, j'aime les Nidorans. Yaaaah! Allez, fillette, et que se battre. Un Nidoran femelle, ok. Et moi, j'envoie un El Bapto mâle. El Bapto mâle, on pense. Je pense qu'il fait mal. Oh non, El Bapto il est empoisonné.
Oh putain, la saloperie. Alors comme ça, tu as osé empoisonner El Bapto. Ça ne se passera pas comme ça. Les choses ne se passeront pas comme ça. C'est El Bapto. El Bapto. El Bapto. Souillé. El Bapto. Critiqué. Mais El Bapto a gagné. Il a gagné le combat. Et même s'il est empoisonné, il arrivera à dominer. Ah là 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 là. Sacré El Bapto. Ah, la puissance. La puissance. La puissance. Est-ce qu'on veut lui apprendre puissance? Ben non. Non. Non, moi je veux que des attaques offensives. Je ne veux pas... Je m'en fous. Du setup, je m'en fous. Je m'en fous un peu. Je le regretterai peut-être, mais là, je m'en fous. Hein? Bah ouais. Bah ouais. Ah bah ouais. Alors, merde, les antidotes étaient tout en haut. Je fais le pitre, je fais le pitre. Mais j'en oublie. J'en oublie mes antidotes. Bonjour, il te faut une bonne stratégie. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. J'ai la strat. J'ai la strat, j'ai la strat, j'ai la strat, j'ai la strat, j'ai la strat. J'ai la strat, j'ai la strat. Allez, tas de morve, let's go. Allez, on va en envoyer croc de mort. On se charge, on s'en fout. Allez, maintenant on va envoyer un petit peu des vives attaques, histoire de... Un gros tas de morve. Tiens, quelle originalité. Allez, croc de mort. Évidemment. Toxique. Non mais ça va, y a aucun effet sur El Bapto. Aucun effet. Ah bah là oui, là ça marche. Évidemment. Tas de morve, allez, vive attaque, let's go. Évidemment. Écrase face. Allez, El Bapto, finis-moi cette équipe de tas de morve là. Tas de morvel là, de monstre morvel. Parfait, parfait. Parfait, bon bah là maintenant, ce serait bien d'arriver au centre Pokémon. Eh, pas logique, bah si c'est logique, c'est juste une grosse merde, hein, surtout. Ouais. Alors, maintenant, ce serait cool d'arriver. J'avais oublié de la faire celle-là. Qu'il est mimi, gentil et trognon ce Pokémon. Il est acquis, hein, acquis. Mélofé. Ok, Mélofé. Bon, on va switch. Bon, vous voyez, Crotisol un petit peu. Et Crotisol, faut faire attention. Non, ça va. Allez, un petit tunnel. Bon, un petit peu, bon, écrase face. Mélofé, non, on switch pas, on garde Crotisol.
Allez, let's go. Les petits tunnels, là au moins on sait que... On sait que c'est la valeur sûre. Là au moins on perd pas de... On perd pas de vie. C'est super nickel. Arrête, t'es pas gentil avec Mélofé. Tu commences et tu peux plus t'arrêter. Ah oui, effectivement, ouais. Pokémon c'est comme des cacahuètes. Ouais. Objet. Ah, nickel. Super. Nous soignons les Pokémon. Alors, on a Elbapto qui est en tête. Alors, on va sauvegarder déjà dans son premier temps. Sauvegardons la partie. Et c'est parti. Est-ce qu'on va avoir un Osselet? Moi j'aurais plus tendance à dire qu'on aura un Fantominus. Je serais plus tenté de dire qu'on aura un Fantominus. Ah! Attention, est-ce que ce sera un Osselet? C'est un Fantominus. C'est très bien pour la reine de Safrania, ce sera très très bien. Ouais, Elbapto, je te fais confiance. Ah oui, pas d'effet, ouais, charge, tout ça, ça n'a pas d'effet. Je crois que en fait, tout ce qui est normal, en fait, toutes les attaques type normal, me semble-t-il, ouais, ça n'a pas d'effet. Faut faire très attention. Faut faire très 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 attention. Je peux pas le mettre KO, je le veux. Oh putain, non, ta gueule Ondine, putain! Allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Nickel. J'avais peur, j'avais vraiment peur que ça fasse mal. Zip, easy. Encore c'est les chouilles. Attention, hein, attention, me fais pas ces frayeurs là, hein. Comment on peut l'appeler? Comment on peut l'appeler? Bien sûr, on va l'appeler. Comment on pourrait l'appeler Ah, on n'a pas de, on n'a pas d'accent. Merde. Merde, ça c'est. Fantomanus. Après c'est un spectre rom. Fantomanus. Fantomanus c'est pas mal. Fantomanus c'est pas mal, mais il faudrait donner faudrait qu'on trouve un nom assez assez épique.
Je sais, on va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler Gus des. Gus DX. Ah merde, Gus Dex. Gus DX. Gus DX. Ouais, voilà, Gus DX. Très épique comme nom. Voilà, maintenant on va soigner nos Pokémon. On est bon pour le sang de Pokémon. Voilà, on va l'appeler Gus DX. Et le prochain Pokémon, vu qu'il nous en reste encore des Pokémon de zone. Il reste quelques Pokémon de zone. Là, on l'appellera Fantomanus. En hommage à Fantominus. c'est une bonne idée, ça, Fantomanus. On va le donner pour un Pokémon qui a rien à voir avec Fantominus. Comme ça, on va l'appeler Fantomanus. Merci, vos Pokémon ont la super pêche. À bientôt. Du coup, bon, on a vu que Elbapto va servir strictement à rien. On a de la commu. Donc je pourrais faire XP Gus DX, mais là Gus DX, le problème c'est que Spectre, face au type Spectre, 9, c'est pas le bon endroit pour lui. C'est pas vraiment le bon endroit pour notre Pokémon Spectre. Oh, la commu va se régaler. Qui? Quoi? Exorciste veut se battre. Voilà. Tout ça, c'est full Pokémon Spectre. C'est trop compliqué. Trop compliqué là pour notre poké. Oh, que ça va nous casser les couilles. Ah, on nous casse les couilles. Donc, tout ce qui est normal, on peut oublier. Donc à la rigueur, peut-être frappe Atlas. Parce que là, pour le type Spectre, c'est Spectre. Allez les chouilles là. Et sa folie lui inflige des dégâts. Putain. Allez. Mais putain. Mais trois fois de suite. Putain. Alors oui, j'ai la possibilité de switch, mais quoi, je voulais quand même espérer faire quelque chose avec notre bon commu, avec notre bonne commu. Putain. Et au lieu de ça, il se fait la pipe, là. Oh là 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 là. Le con comme une pipe. Qu'est-ce que je fais là? Ah, t'as juste été possédé, ma vieille. Putain, fais chier ça! Elles sont mes super potions là, voilà. Je vous avais passé, j'avais pas vu. Putain, allez hop, un petit para. Du coup, on va switch, on va mettre. Bon, on va mettre Jack Mich à la place. Je crois que tunnel ça passe pas, me semble-t-il. On va réviser notre table des types. Alors, en première génération. Ah ouais.
C'est immunisé au type combat et normal, oui, ça oui. On l'a bien vu. Résistant au type insecte poison, mais après tout le reste c'est neutre, mais faible face au type spectre. Spectre face au type spectre. C'est chaud patate. Hein. Chaud patate, là pour GuzeX. Va de rétro, esprit infernal. Là pour GuzeX, c'est chaud patate. Autant dire que c'est pas possible. Allez, pistolet à eau. Là, on va... Là, on va devoir malheureusement être neutre sur toutes les attaques. Ah mais c'est un des pires types, hein, type spectre. Pfiou, l'esprit s'en est allé. Ah non mais le type spectre en 1G. Oh là 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 là. Sois maudit quoi. Exorciste veut se battre et fait appel à Phantominus évidemment. Ça va être du Phantominus et du Spectrum, hein, j'annonce. Il y aura rien de, il y aura rien de plus. Ça va être un petit peu la merde. Là pour El Bapto, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est pas du tout la bonne zone. Hein. Même pour GuzeX, hein, la GuzeX c'est pas possible. La GuzeX, le pauvre, je l'envoie au casse-pipe. Face à des Phantominus de niveau 23, c'est même pas la peine. Là on va taper sur du super efficace, mais en face on va prendre des attaques qui vont être super efficaces. Ça va être la merde. Allez, l'onde folie ça passe. Non putain. Putain la RNG. Putain! Je vais perdre un de mes Pokémon avec ces merdes d'ondes folie! Oh là 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 là! Sans déconner, faut que j'aille déjà au centre Pokémon, quoi. Ah, j'ai fait que 3 dresseurs. Quoi? Putain, tout ça pour un élixir, s'il te plaît. Bon, par contre, j'ai acheté des repousses, hein, parce que là... Putain, je vais perdre un de mes Poké avec de la merde. Donc la corde de sortie, on va la garder. On va la garder pour la fin. Je sais pas s'il nous téléporte, mais s'il nous téléporte pas, on va faire ça. Et par contre, je vais prendre un repousse parce que là, laisse tomber, ça va être chiant comme là. Comme pas possible à les Pokémon sauvages. Oh là 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 là. Incroyable comme ça casse déjà les couilles. Pokémon dans la super pêche, à bientôt. En fait, que vous vendez des repousses, s'il vous plaît. Super. L'inventaire est plein de Nyctaras. Te vendons ça déjà.
Elixir. Ouais. Bon, super repousse. J'en veux 5. Ouais, j'en prends 10, allez. On a de la moula. On a de la moula. Je veux des cordes de sortie aussi. J'en veux 5, voilà. Comme ça, ça nous évite de se retaper tous les étages si jamais ça sent la merde. Voilà, si ça sent le pâté, si ça sent le vieux pâté, au moins on est moins emmerdé. Alors là, hop. J'avais oublié. 'Toi, c'est bizarre, il n'y avait pas de Pokémon là. Bon, on esquive un petit peu les dresseurs, hein, YOLO. Ah oui. C'est qu'on peut se reposer. Donc du coup, on va pouvoir se taper tous les dresseurs. Bonjour. Viens avec nous. C'est vrai qu'il y avait un endroit scellé. Ça, c'est cool. Bon, on n'aura jamais d'ectoplasma parce qu'on n'aura pas la possibilité de faire des échanges. Mais au moins déjà un spectrum pour la reine de Safrania déjà. Ça sera au topi top. Au moins. Ah nickel. Déjà le chef Michel Dumas, super nickel. Ah, j'ai fait un cauchemar. Bonjour. Donne-moi ton âme. Sympa, dis-moi. Ah, le spectrum avec le sprite tout aussi dégueulasse. La première génération avec des sprites dégueulasses. Bien sûr, l'onde folie. Je dis qu'on va perdre un Pokémon avec ces conneries d'onde folie. J'annonce, vraiment. Allez, Jacques Mich qui monte au niveau 29. Impeccable. Glarg. Là, on est obligé de passer dans la zone sanctuaire. C'est pas plus mal. Bouh. Zombie. Ah, zombie. Blarg. Brain. Fantominable. Évidemment, la para. Bah, dis donc. Ah bah, mon cochon, ça va, ouais. Ça va. T'avais un petit peu mal? Hein? Hein, quoi? Ah, encore une pépite. Voyez, Polomi, le mal est parmi nous.
Allez, c'est parti, un petit vrai courage. De toute façon, là, on n'a pas trop trop le choix. Hein. Ça fait un petit peu mal quand même, ça fait un petit peu mal. Quoi, jeune taoïste, tu oses m'ôter le yang de la bouche? Ah bah... Polé cru. Poilot cul. Ton sang donne. Hein? Pardon? Oui. Quoi, mon sang? Qu'est-ce qu'il a, mon sang? Mon sang de bonsoir. Ah, ben évidemment que Jacques Michel est paralysé. Évidemment qu'il ne peut plus attaquer. Ça serait trop facile sinon. Évidemment, qu'on est paralysé, évidemment. Gabachai, évidemment, on est paralysé. Allez, vas-y, changez de Pokémon. Mais non. Gabata. Le spray de Phantomius, c'est le spray sur paint. C'est tellement ça, en fait. Les mecs, ils se sont pas trop cassés le cul, en fait. Ils ont rajouté des yeux sur le spray de paint. Jacques Mich, tu reviens, hein? Comment te dire? La commu. Prends la relève. Hein? Voilà. J'ai que Flamèche. J'ai que Flamèche de compatible pour ces types. C'est formidable. Formidable. Je ne peux que compter sur eux à peu près, on va dire à peu près. Challenge. C'est le zéro mort challenge. Voilà. Et on a vaincu l'exorciste. Égrarg! Évidemment, mon inventaire est plein. qu'est-ce qu'on pourrait jeter? Ça, on va le jeter. On va plus en avoir besoin du réveil. Ça pour une précision plus. Mais sa précision plus! Si j'avais un Pokémon qui s'appellerait Dokelec, je dirais ok, je lui donnerais de la précision plus! Je croyais avoir tout vu hier, mais là j'en découvre encore! aïe, l'aveugle man! La petite balle! Balle au centre! Alors, exorciste. J'ai fait appel avant toi, Minitinus. Fantominable. Allez, vrai courage. Oh putain, les Rongeman quoi, les Rongeman. Bonjour, je suis Jean-Marcel Casburne. Putain, Jean-Marcel Casburne. Y'a un seul Pokémon dans sa team. Un seul. Ne t'inflige pas des dégâts, nom de Dieu. Ne
te les inflige, je pars. Et ça fait trois fois! Trois putains de fois! Je vais le perdre avec de la merde! Avec de la merde, avec un spray! Avec un spray paint! À cause d'un spray paint, je vais le perdre! En même temps, je joue comme une merde. J'avoue, je joue comme une merde. À partir du moment où ton Pokémon est confus, la première chose, c'est de switch. Je ne le fais pas. Je joue avec le feu. Mais putain, mais trois fois de suite, sa folie lui inflige des dégâts. Mais merde, merde. Putain, merde le Axe, merde. Putain. Et heureusement qu'on a une zone. Heureusement qu'on a une zone pour une zone blanche pour justement soigner ses Pokémon. Mets-toi avalanche de sel. Ah ouais, mais putain. J'avais prévenu. Vous allez voir, là, le Axe s'est réveillé. Il va nous faire chier. Il va nous faire chier des bulles. Je pensais pas en chier autant ici, je pensais en chier plus dans le repère de la Team Rocket. Mais là, mon dieu. Parce que le problème des Pokémon de type Spectre, la seule faiblesse des Pokémon de type Spectre, c'est le type Spectre. Je ne peux pas me permettre de sortir Gus DX en sachant qu'il est super faible. Face à un Fantomius de niveau 24, il ne survivra clairement pas. C'est pas possible, il ne survivra pas. Je ne peux pas me permettre ce genre de choses, et pourtant c'est ce que le jeu voudrait, mais Nyxaras, on est dans un Nuzlocke, donc non. Voilà, je ne veux pas perdre mon Pokémon, je veux pas perdre cet atout qui sera considérable face à Morgane dans l'arène de Safrania. Donc là vraiment non, merde. Ah, je me sens mieux. Bah tant mieux que tu te sentes mieux. Il casse les couilles surtout. Oh, votre inventaire est plein. Vous me cassez les couilles, ça aussi, avec l'inventaire, là. Oh là 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 là, le jeu, là. Allez, hop, là. Adieu, précision. Fuis, impudent. Quoi ? Un spectre apparaît. Ah, c'est l'ossature. Tueur, voilà. Hein. Alors, c'était la merde Solé, bien évidemment. Voilà, on vient de la tuer une deuxième fois en fait. On vient de la tuer une deuxième fois. David, côté neuf. Voilà, voilà. Hein. Le spectre était l'esprit damné de la mère de Solé. L'âme de la mère a été apaisée. Elle est partie vers l'autre monde. Ah, par contre, il y a les autres casse-murnes. Et ça, ça veut dire Elbapto et Crotisol. Que veux-tu? Que cherches-tu? Je cherche ta mère! Ah, quoique, on aurait pu envoyer merde. On aurait pu envoyer
on aurait pu envoyer notre notre Gus DX. On va envoyer Gus DX. Allez, Gus DX. Ténèbres. Allez, on va profiter. Là, c'est vrai, d'être la ferme à XP, là. Ah merde, putain, vampirisme, merde. Ah oui, c'est très efficace, évidemment que c'est très efficasse. Les outils spectre, ça peut qu'être efficace, super efficace, hein. Allez, est-ce qu'il va me pépestol? C'est un pépestol Gus DX. Nosferalto. Avec le sprite bien dégueulasse de Nosferalto. Oh là 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 là. Oh putain, mais Rongeman! Allez, Elbapto, let's go! En fait, tu vas me casser les couilles. Tu vas me tenter de me casser les couilles à tout va avec les avec l'onde folie là. Perdef à fond, bah ouais, super. Moi aussi, je sais le faire. Par contre, eux, ça, c'est génial. C'est que eux, par contre, la longue folie, eux, ils se blessent pas dans la confusion. Hein. Moi, c'est trois fois de suite. Eux, nique sa mère. Ah ben, quand même. Ça qui est formidable. Ça va, ça va le piston. Le petit piston, là, ça, je vous gêne pas. Vous me le dites, hein. Ah, j'abandonne. Bah ouais, abandonne. Je ne t'oublierai pas. Je sais que tu m'oublieras pas, mais moi non plus. En sachant qu'il va nous donner le... La Pokéflûte. Ouais, il nous la donne après. Je crois qu'il nous la donne après. On va jeter les trois huiles. Adieu, huile! C'est ça que je voulais faire. Pokémon. Je vais mettre Gus DX en premier. Voilà. Mais j'avais dit que j'avais mis du repousse. Non, parce que là, on va pas s'en sortir, là, s'il n'y a pas de repousse. Ce vieil homme est venu nous demander de ne plus troubler les gentils Pokémon. Mais c'est une conversation d'adulte, petit. Dégage! Pardonnez-moi, messieurs les adultes. C'est la Smogo. Allez, Gus DX, parfait. Poison, c'est parfait. Alors déjà, comme ça, on va dire augmenter un petit peu les chances d'en finir un peu plus rapidement. Ça risque d'être un petit peu long. C'est vrai que Gus DX, là, il va se traîner la patte. Hein. Il va un petit peu se traîner la douille, là, Gus DX. Quoi, la purée de poils touche, c'est pas possible!
Le poison ne le touche pas, il est insensible au poison. Mais c'est pas très efficace, heureusement que c'est pas très efficace. Ah quoi que si, enfin c'est poison et insecte ou c'est pas très efficace. Ça touche mais c'est pas très efficace. Donc ça va, Guzei X. Ça va. Soporifique. Non, pas du tout. Ah, on va se le faire là, Soporifique. Parfait, un Pokémon Psy. Admirez la force du type Spectre face au Pokémon de type Psy. Entrave sur Ténèbres, évidemment. Nique ta mère. Et voilà. C'est parti pour les chouilles. Voilà. Bon bah Guzei X, merci. C'est pas l'inverse. C'était pas... Ah, je suis mongol. Ou je suis mongol, ce qui est possible, ce qui est fort possible même, parce que ça doit être ça. C'est qu'en fait, c'est le type psy qui est plus fort face au type spectre. Donc, heureusement que... bon, bah voilà. Bon, adieu, Guzei X. Tu nous auras servi à pas grand-chose au final. J'aurais pu m'en servir pour l'arène de Parmani. Mais voilà, bah... Au karma. Karma, hein. Bon, merci, GusDX. Nous avoir placé astucieusement le plan de folie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de mort. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de mort. Argacé. Les Pokémon ne servent qu'à gagner de l'argent. Reste en dehors de nos affaires. Je suis content, mais j'ai les boules. Je suis content parce qu'au final, ça va. C'est un Pokémon. C'est un petit Pokémon, donc ça va. Ça va, on s'est pas fait chier. On s'est pas fait chier à le faire XP. On a essayé juste de le faire XP. Bon, on l'a perdu. C'est pas grave. Ça m'aurait fait chier que ce soit un de nos Pokémon là. C'est le Crotisol, tout ça. Ça m'aurait bien fait chier. Mais là, voilà, ils viennent d'arriver. Bon, bah. YOLO quoi. Tant pis, c'est pas grave. Enfin un mort. Désolé, Guzei X. Tu nous manqueras, tu sais. Tu nous manqueras quand même, Guzei X. Sache-le. Dans notre petit cœur, tu vas laisser une place. Bon, c'est bien, c'est qu'en plus on est sur place, on est dans le cimetière des Pokémon, donc du coup on va pouvoir le laisser. On va pouvoir le laisser, hein, voilà, on le dépose. Voilà, ta place est ici, parmi les tiens. Désolé, Gus. C'est triste. Observons une minute de silence pour notre Guzei X disparu au combat. Merci. Ça faisait pas une minute, mais c'est pas grave. N'affronte pas la Team Rocket. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Salut le vieux. Hey, tu es venu me sauver. Merci, mais je suis venu ici de mon plein gré. Je voulais apaiser l'esprit de la mère d'Orselé. Je pense que l'esprit d'Ossatueur s'en est allé vers les cieux.
Je dois te remercier pour cet acte noble. Viens avec moi dans ma maison. La maison Pokémon au pied de cette tour. Alors déjà, on va jeter un truc. Bon, les huiles max, par exemple. Non, parce que là, on n'aura plus de place. Foile, t'inquiète pour compléter ton Pokédex et choix si tu n'aimes pas tes Pokémon. Je crois que ceci te sera utile. Bah oui, mais pas qu'un peu. En jouant de la Pokéflûte, les Pokémon endormis se réveilleront. Et même les viewers endormis se réveilleront. Elle marche sur tous les Pokémon et les viewers. Ah bon ? Ouais, essayons pour voir. Super, ça c'est de la zik. Ok, bon bah ça a pas fait grand chose. On va déposer dans le PC notre Pokémon Sniff Sniff, notre Gus DX. Gus DX, on te stocke. Les données seront sauvegardées, êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. On active, on réactive notre boîte 1. Et là, on va soigner notre équipe. Et voilà, une affaire rondement menée. On a terminé le casino et on a terminé la tour Pokémon. Donc maintenant, direction... Pour la prochaine fois, direction bah, Parmani. On ira à Parmani. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre de suite à Saladopol. Et avec malheureusement un seul mort. Mais bon, on aurait pu éviter ce mort. Très honnêtement, on aurait pu l'éviter. Clairement, on aurait pu l'éviter. Mais au final, bah, il aurait été là. Il aurait été quand même là, le mort. Face à la reine, il serait quand même mort. Notre Pokémon serait quand même mort. Il serait quand même mort, mais c'est pas grave, tant pis. Allez, let's go. The bicycle. Bicycle. L'effet de repousse est terminé. Merci. La 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 la. Ta da da. Ah oui, avant toute chose, nous allons faire ce que nous avons pas fait. Chose promis, chose due, Doc. On va l'appeler comme tu l'as demandé. Je sais tout sur le monde et sur ta Game Boy. Fais beaucoup d'échanges avec tes amis. Ah, merci. Voulez-vous donner un surnom à Evoli? Et oui, on va l'appeler Fantomanus. Fantomanus. Et voilà, Fantomanus! Nous avons Fantomanus dans la team. Ah, et incroyable mais vrai. Ma connexion internet a sauté. Je n'ai malheureusement pas encore le chat puisque ma connexion d'internet a encore sauté, évidemment. Technicien de Bouygues qui me fait doucement rire. Oh bah y a rien sur votre connexion internet, mais par contre s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous appeler, qu'on intervienne pour voir sur place chez vous lors des sauts de la boxe. Sauf que les sauts, quand la connexion elle saute, c'est genre 21h, tu vois. Voilà, donc si vous finissez à 17h ou 19h, YOLO, vous le verrez jamais. Ils sont mongols.
C'est un peu mongol. Donc voilà, nous avons notre Fantomanus. Incroyable, le Fantomanus, et du coup, on pourra continuer l'aventure en réveillant du coup notre Romplex. Ah ben surtout, on va faire, on fera ça la prochaine fois pour avoir la 16 vol. On va quand même re-sauvegarder à nouveau. J'ai un doute. Moins blanc que blanc, je doute. Et voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nickel, on a rondement mené notre stream. On a surtout rondement mené notre Nuzlocke. Malheureusement, un mort, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de décès. Mais malheureusement, il en fallait bien un. Et fort heureusement, à plusieurs reprises, Jacques Mich a failli y rester. À plusieurs reprises, hein, ça... Attends encore, le Dante fait caca. Ah, le Dante fait caca, merde. On va attendre un petit peu. On va meubler. On va meubler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai téléchargé des trucs? J'ai rien téléchargé, moi, monsieur. Voilà, on va mettre en route Twitch. Comme ça, au moins, on voit un petit peu si le Dante est là. En tout cas, ouais, ça s'est joué, mais vraiment... à 3 fois rien. Vraiment, c'était vraiment 3 fois rien. On a failli. On a vraiment failli y rester. Ça a failli très très mal se passer. Mais ça va. On a pu un petit peu gérer la... On a un petit peu géré la fougère. Sinon, vendredi, j'ai la fibre, machallah. Ah, enfin! Enfin la fibre! Espérons, ça fera quand même 3 fois. Ce sera la troisième fois. Ce sera la troisième fois que le technicien passe. En espérant qu'il ne te fasse pas nouveau un coup de pute. Franchement, là, c'est vachement dégueulasse. Ce que je vous propose, c'est qu'en attendant que le Dante revienne. Parce que voilà. Comme il fait caca. Écoutez, on va aller récupérer la 16 vol. On va aller récupérer vol. On va faire un petit peu de rab. On va faire un petit peu de rab du coup. Voilà, on va faire un petit peu de rab. C'est vrai qu'on a, la pépite à vendre. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau Nuzlocke. Nouvel épisode du Nuzlocke, j'espère que vous allez bien, c'est Poils. Ah, je suis content de vous retrouver. Vendre, je veux vendre du coup. Ah, mais j'ai pas la pépite. Ah, si, j'ai une pépite, il me semblait. Forme un peu tes poké. Du coup, on va faire ça. Hein. On va faire un petit peu ça. Bon, quand est-ce qu'il arrive le Dante? Parce que bon, j'ai la dalle aussi. J'ai un petit peu faim. J'ai un petit peu faim. Ah, surtout, il faudra qu'on décide. Je peux profiter puisque vous y êtes. Ah, c'est une nouvelle zone, ça. Ouais, mais on a... attention, il y a deux possibilités. On a soit le Ronflex, soit celui-là. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Mon avis. Parle-moi, j'y. Oh, tu as trouvé ma cache secrète. Prends ceci. En échange, ne dis à personne que tu m'as vu. Cool. La 16 vol. Alors, du coup. Pour notre Pokémon, pour notre Fantomina, pour notre Fantomanus. On a 3 possibilités de le faire évoluer, comme c'est un évolu. Il a 3 évolutions. Non, on le fera plus tard. On le fera pour l'épisode prochain. On le fera pour l'épisode prochain, l'évolution. Ce sera plus intéressant.
alors là, pour Roomflex. On m'a envoyé Donc j'ai envie d'envoyer le Bapto. C'est un Pokémon normal. Un gros Pokémon endormi bloque le chemin. Allez, on va se le faire. On a le stock de super de Super Ball. Et là, on a réveillé les viewers endormis. Les viewers endormis se réveillent. Ils sont tout grognons. Ils vous attaquent. Quoi? Les viewers endormis sont grognons. Nani. À niveau 30, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Bah du coup, c'est notre Pokémon de zone. Hein. Un coup de boule. Comment te dire? Oh putain, le relou. Relou man. On va tenter. Je sais qu'il est casse-couille à capturer. Il est très casse-couille. Il faut que je fasse. Faut que j'attaque. Tranche. Aïe aïe aïe. C'est un sac à PV quand même. C'est bon. Tranche, ne lui fais pas. Tranche, ne le tue pas. Gagne ce peu à fond, et voilà. Yes, on l'a eu. Comment on va l'appeler? Comment on va appeler Très paresseux, il ne fait que manger et dormir. Plus il est gros, plus il devient fainéant. On va l'appeler Dante. Dantounet, on va l'appeler. Voilà, Dantounet. Voilà, on a Dantounet. Dantounet qui est dans le PC. Ah, incroyable. On a capturé le Dante. Magnifique. Parfait. On sauvegarde. Ah putain, d'abord avant de oui, je voulais soigner les Pokémon, merde. Je voulais soigner ma team. Il est rond et il dort tout le temps. Aïe aïe aïe, le Dante. Aïe aïe aïe, Dante qui vient de se prendre un obus. On aurait dû l'appeler Obutifrice. Ouais, nickel, super nickel, à bientôt quoi. Donc du coup voilà, pour la prochaine fois, pour le prochain épisode, on décidera, je vous mettrai le sondage dans le chat pour savoir l'évolution de notre Evoli. Est-ce qu'on le fera évoluer en Aquali, Noctali, Aquali, Voltali ou Pyroli, en sachant que j'ai une grosse préférence pour Voltali.
un Pokémon type électrique serait pas de refus. Voilà, bah écoutez, là, cette fois-ci, c'est la bonne. On va couper le Nuzlocke. Voilà, on va couper cette fois-ci le jeu. Et on va voir si notre bon Dante est là. Espérons qu'il soit là. Parce que justement, il est rond et il dort tout le temps. Et il est toujours pas là ! Mais il arrive à quelle heure ? Mais c'est pas possible ! Ce Dante, ah là 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 ! Il a pas fini, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait caca ? Il est tombé dans le trou ? C'est pas possible ! Ah là 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 ! Bah écoutez, on va parler un petit peu, on va faire un petit let's talk. On va parler un petit peu, comment allez-vous ? On va meubler un petit peu. Ah ! Merde, j'ai cliqué sur sa chaîne et je suis tombé sur le live. On va pas avoir un écho quand même, on va pas se taper. Ah, il est peut-être en phone call avec sa go. Ah, peut-être. C'est peut-être ça. T'as peut-être raison, Doc. T'as peut-être raison. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, restez jusqu'au bout pour qu'on puisse assister au live de Dante sur Evil Within 2. En parlant de meubles, j'ai investi dans des meubles. Oh, qu'est-ce que tu as acheté de beau ? Qu'est-ce que tu as acheté comme meuble, notre cher Doc ? Qu'est-ce que tu as acheté de beau ? Comme un meuble. Serait-ce de belles étagères ? Serait-ce, je sais pas. Ouais, serait-ce un nouveau bureau ? Enfin, parlant de bureau, il faudra que j'achète un nouveau bureau. Enfin, ce sera le futur investissement en termes de meubles. Ce sera... Ah, il a acheté un bureau à Cécile. Petit set de table de nuit, meubles pour WC et meubles de salle de bain. Ah, moi, je pensais que t'avais acheté des meubles pour la déco. Pour la déco du stream. Non, le prochain investissement, ouais, non, moi j'achèterai un bureau, non pas un bureau pour ceci. Non, j'achèterai un bureau, enfin je change le bureau, bon c'est pas de suite, hein, j'ai encore le temps, mais je pense que je prendrai un bureau qui monte et qui descend, et d'avoir un peu plus, on va dire, un peu plus d'espace de travail, parce que le problème des bureaux d'angle, revends le tien à ceci, ah c'est pas con, c'est pas con, je savais pas quoi en faire, ben voilà, ben tiens, je te le vends ceci. Voilà, on fait un deal, tu m'achètes un bureau qui monte et qui descend et je te donne le mien en échange. Un bureau d'angle avec des rangements et tout. Pas con, hein. Après, c'est juste pour la livraison, pas ça. Par contre, ça va être un petit peu chiant. C'est juste ça. Mais ouais, non, c'est vrai. Oui, c'est pas con, ça. C'est une très très bonne idée. Très très bonne idée ça de... Je vais revendre mon bureau à ceci. On va juste modifier un truc, on va enlever le sprite. Voilà le petit sprite. Ah oui putain, c'est vrai, j'avais oublié. Mon dieu. On a Dracofeu. J'ai pas mis à jour mes sprites. Tu crois que tu vas me le faire à l'envers ou quoi ? Pour une fois, je suis pas le monde à ce point. Ouais, mais bon, je te la fais pas à l'envers. Je vais pas la faire à l'envers. Hein. C'est du troc. De suite. Non, mais de suite. Oh là là, c'est si. C'est si. Votre manque de foi me consterne. Vraiment, je suis consterné par votre manque de foi. C'est si, ça va pas du tout. Alors, on va enlever du coup le fameux Reptincelle. On va mettre à jour les sprites. Tu fais quand un room tour de ta collection ? Ah, bonne idée ça. Bonne idée. Et bien sûr, à un moment, t'as mis le chocolat dans le papier alu. Ah bah ça, c'est pas faux. Elle met le chocolat dans le papier alu. Et voilà, voilà. Oh, incroyable, nous avons Dracofeu qui est arrivé dans la team. Si ça, c'est pas beau. Bah oui, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Mais ça, peu de gens le savent.
peu de gens le savent que la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Mais ça, voilà, ça c'est un secret. Mais ça, en défi de point de chaîne, ça te laissera le temps de tout préparer. Un room tour de ma collection. C'est une très bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Comment faire? Ouais, comme tu me dis, je peux filmer avec le téléphone. Je pourrais faire un live avec le téléphone. Mais ça, en défi de point de chaîne, ça te laissera le temps de tout préparer. C'est vrai. C'est vrai qu'on a, on a cette possibilité-là. Faudra aussi le préparer aussi, ranger le bordel, parce que bien évidemment il y a du bordel dans la pièce. C'est un peu le bordel. Faut que je la range. Faut que je change aussi. Bon, les meubles, ça je les changerai le jour où je déménagerai. Il faudra que j'achète une vitrine pour mettre toutes mes figurines à l'intérieur. Parce que j'ai toute la collection des figurines du Seigneur des Anneaux style Warhammer. Qui était Virtual Cam avec le smartphone. Ça se fait en plus, tu peux direct stream depuis le PC. Ah, c'est pas con, ouais. C'est pas con. Hop, excusez-moi. ASMR mouchoir. Mais c'est vrai ça, oui, un virtual cam, c'est vrai. C'est vrai, mais non, déjà dans un premier temps, il faudra que j'achète, le jour où je déménagerai, il faudra que j'achète une vitrine pour mettre toutes mes figurines Seigneur des Anneaux dedans. Là, ça libérera une étagère. Je referai les étagères, tout ça, je ferai ça propre. Droid cam OBS, ok. Je vais me le marquer. Voilà. Droid Cam OBS. Sinon, je vais clairement oublier. Dante, toujours pas là. On peut pas compter sur lui. Ah là 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 là. Droid Cam OBS. Je prends note. On a Crocodile LOL qui est sur Pokémon Uranium. Ça existe encore, Pokémon Uranium. Bah, le mec, quand même, il fait 2K2 de spectateurs sur son live Pokémon. Franchement, pas mal. Pas mal du tout. Alors, Pokémon Uranium, c'est une Acrom qui a été strikée par Nintendo. Donc je sais pas si elle a encore, si elle existe encore. Mais là, du coup, je fais défiler un petit peu là sur Twitch. On voit un petit peu qui fait des lives. Bah, dis donc, angle droit, gueule. Hein. Angle droit, gueule beaucoup là. Golf gang là, ça golf gang à fond là. Horty underscore, ouais, aussi. Mythos, ouais. Baguera Jones aussi, qui est sur golf bidule. Bah, décidément. Restez bien jusqu'au bout, hein. Restez. J'essaie de meubler du mieux que je peux. Mais voilà, pour que je puisse vous envoyer chez l'ami Dantifrice. C'est vrai qu'on pourrait continuer un petit peu de Pokémon. C'est vrai qu'on pourrait, continuer un petit peu. Mais j'ai envie de garder un petit peu de contenu pour l'épisode prochain. Puisque là, on est quasiment arrivé à Parmani. Donc là, en fait, ce qu'on fera sur le prochain épisode, c'est la piste cyclable. On peut faire un petit peu dimanche, tu me diras quelle heure pour Fasmo. Pas de soucis, mais 14h. C'est 14h. 14h. 14h Fasmo. Normalement. Si tout va bien. Donc ce sera. Ouais, ce sera 14h. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire un petit peu de pistes cyclables. Et comme ça, on arrive à Parmani. On se fait et l'arène et le parc safari. On peut faire ça. En attendant que le dente arrive, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça? Voilà, en fait, c'est un gros troll, c'est un gros scam. En fait, il ne viendra pas.
Là, lol. C'était un prank. Vous m'avez pranké. Pour que je stream un peu plus tard. Je ne serais pas surpris que vous m'ayez pranké. Bah, écoutez, on va faire ça. On va relancer. Hein, parce que là, je vois que ça. On va relancer le jeu et on va continuer. Bah du coup, on va continuer la piste. On va faire la piste cyclable, là, écoutez. Pas du tout, on attend aussi. Non, mais là, on se fait scam. Hein, on se fait scam la gueule. Hein. On se fait clairement scam la gueule. Hein. Ah là 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 là, le scam. D'anti-scam. Scam Ifris. Allez, on va se faire notre bonne vieille piste cyclable. Oh là 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 là. Oh, le bordel. Le gros bordel. On va pas faire tous les dresseurs. Hein. On va en garder quelques-uns. Parce que j'ai envie quand même d'en garder sous le coude. Au cas où. Si on a une nouvelle équipe à faire. Donc autant garder les dresseurs du haut. Si jamais on a des Pokémon à train. Tu vois, à part Mani, exactement. Comme ça au moins on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut sous la main si jamais on a du training. Smogo go. Ah, ça y est, ça commence hein, ça commence à être kiff kiff au niveau des niveaux hein, ça y est. Hein. Allez, on est kiff kiff. Aïe aïe aïe, le kiff kiff. Ça y est, on est vraiment au même niveau. Hein. Ça va piquer. Aïe aïe aïe. Alors, l'objectif c'est de pas perdre Elbapto. L'objectif ce serait quand même de le garder hein, notre Elbapto. Je cherche notre APS. Je cherche une autre APS. Celle-ci est un vieux figant tout caca. Ah merde. Ah merde, d'accord. Ah merde, ouais, non, ouais. Bon, si on pourrait éviter d'avoir un filigrane tout caca. Je crois qu'après, là, peut-être la GoPro, ça peut peut-être passer. La GoPro, je ferai des tests pour voir si la GoPro... ça peut marcher en GoPro. Vous voyez le moment là où il faut switch? Vous voyez le moment où il faut switch le Pokémon là? Bon, vous voyez la commu. Parce que là, Crotisol, j'ai très très peur. Très très peur. Oh putain, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Putain! Mais il m'empoisonne deux Pokémon quoi! Putain de casse-couille man! Allez, burn-moi ça, putain! Burn-le! Allez, un petit coup critique là. Ah mais sans déconner. Let's go, ça a commencé. Ah. Hop là, hop 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 hop.
va faire ça. Eh ben let's go chez Dante. Bah du coup voilà, on va juste couper, voilà, c'était la petite séquence bonus. Bah dis donc, c'est pas trop tôt. Hein. Allez, on va aller chez notre bon dentifrice qui va bientôt commencer. Qui a enfin mis le timer. Voilà. Qui est enfin là pour la soirée de l'horreur. Il a enfin fini de faire caca. Donc du coup voilà, donc ce qu'on a vu à la piste cyclable, le combat du coup ne compte pas puisqu'au final je n'ai pas sauvegardé. On n'a rien perdu, on n'a pas perdu de Pokémon, on n'en a pas gagné non plus. On a juste tenté le combat, on a vu que le combat était super casse-burne et que ça présage rien de bon pour le prochain live. Vraiment, par manie, je sens qu'on va en chier. Mais alors, on va chier des bulles sur la piste cyclable. On va tracer tout droit, bien sûr, pour aller le plus vite possible à Parmani. Mission de Parmani, ce sera le parc safari pour récupérer la CS Surf. Et CS Surf, CS Force. Mais surtout, ce sera aussi l'arène. Voilà, on se fera l'arène, comme ça au moins on sera plus qu'opérationnel. Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai un petit peu meublé sur ça, on va pouvoir préparer le raid chez notre bon dentifrice. Comme ça, vous tapez pas trop le timer de notre bon dentifrice qui est à 1 minute 30. Ça passe vite, ça passe très très vite, mais bon voilà. En attendant de vous envoyer chez l'ami Dante, nous on se retrouve dès demain ici même, vous connaissez la mélodie, 18h30 ici même pour du Elden Ring. Mercredi exceptionnellement pas de live car j'irai voir Doctor Strange. Et jeudi 18h30 on reprend Stanley Parable. Vendredi, ce sera Mario Kart 8 Deluxe avec la MIF. Et samedi, 18h30, on finira du coup très certainement la part 1 de Carnage of Ring. Et bien sûr, on fera, voilà, c'était en mode facile, hein. Après on passera en mode difficile, etc., etc. Allez, je vous fais des tonnes de bisous. Let's go chez l'ami Dante, c'était Foals. Ciao, ciao, la bise. Allez, c'est parti, on y va. Putain de merde ce secours! Mais putain! La connexion de merde! Voilà, Bouygues Télécom de mes couilles! Il me strike encore! Putain! Formidable! Je crois que vous êtes parti chez Dante, ça y est! J'espère en tout cas que vous êtes parti chez Dante! Parce que là, voilà! Oh là 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 là. Allez, c'était Foals, je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous, bisous, bisous. Je pense que vous êtes partis. On va arrêter le stream. Allez, à demain, 18h30. Ciao, ciao.